Bien-aimés de Café Évangile, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Tels sont les extraits de l'Évangile de ce dimanche où l'Église célèbre la solennité de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu à tous les peuples à travers une étoile. Chers amis, les mages étaient très probablement originaires de Perse, l'Iran d'aujourd'hui. C'étaient des hommes qui étudiaient régulièrement les étoiles. Ils n'étaient pas juifs, mais connaissaient très probablement la croyance populaire du peuple juif en la naissance d'un roi qui les sauverait. Et ces mages ont été appelés par Dieu à rencontrer le sauveur du monde. Il est intéressant de noter que Dieu a utilisé quelque chose de très familier pour eux comme instrument de leur appel. Les étoiles. Ils croyaient en effet que la naissance d'une personne importante s'accompagnait d'une nouvelle étoile. Aussi, lorsqu'ils ont vu cette nouvelle étoile brillante et lumineuse, ils ont été remplis de curiosité et d'espoir. Et l'un des aspects les plus significatifs de cette histoire est qu'ils ont répondu. Dieu les a appelés par l'intermédiaire d'une étoile et ils ont choisi de suivre ce signe, s'embarquant pour un voyage long et difficile. Chers amis, Dieu utilise souvent les choses qui nous sont les plus familières et qui font partie de notre vie quotidienne pour lancer son appel. Rappelons par exemple que de nombreux apôtres étaient des pêcheurs et que Jésus s'est servi de leur métier pour les appeler, faisant d'eux des pêcheurs d'hommes. Il a surtout utilisé la pêche miraculeuse pour leur indiquer clairement qu'ils avaient une nouvelle vocation. Et dans notre propre vie, Dieu nous appelle constamment à le rechercher et à l'adorer. Il utilise souvent les aspects les plus ordinaires de notre vie pour lancer cet appel. Comment vous appelle-t-il? De quelle manière vous envoie-t-il une étoile à suivre? Et souvent, lorsque Dieu parle, nous ignorons sa voix. Nous devons apprendre de ses mages et répondre avec diligence à son appel. Nous vivons dans une société où plusieurs fois nous attendons que Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire dans notre vie. Mes chers amis, rappelez-le bien, Dieu passe par ce qui est plus proche de toi pour te parler. Il ne va pas passer par quelqu'un qui est loin sur un autre continent pour te parler. À travers les mêmes choses que tu fais, à travers tes activités, à travers ta famille, à travers les personnes qui sont proches, c'est là qu'il passera pour te parler. Et c'est pour cela qu'il est très important de fixer notre regard dans les détails de la vie. Les détails de la vie. Ce que tu fais comme travail. Fais-le bien parce que c'est un moyen à travers lequel Dieu te parle, à travers ta famille, à travers tes enfants, à travers ton époux ou ton épouse. C'est là où il te parle. Des fois, il te parle pour t'interpeller à changer dans tel ou tel aspect de ta vie. Mais plusieurs fois, nous ignorons cela. Pourquoi? Parce que cette personne, nous le connaissons, tel on le sait, pourquoi il va me dire tel? Et c'est là que nous faisons le pas. Nous ne devons pas hésiter et nous devons chercher à être quotidiennement attentifs à la manière dont Dieu nous invite à la confiance, un abandon et une adoration plus profonde. Résolution de ce jour, il y a une étoile qui te parle. Quelle est cette étoile de ta vie à travers laquelle Dieu te parle? Peut-être c'est ton boulot, peut-être c'est un ami, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ton papa ou ta maman. Prends soin de ces choses qui sont familières à toi, parce que c'est à travers ces réalités familières que Dieu passera pour te parler au jour le jour. Bonne journée, Dieu vous bénisse.